Bon, ben, rebonjour. Alors, bon, suite à un petit ratage, hein, je viens de faire un petit ratage en vidéo. Donc, je reprends la vidéo. J'avais déjà tout déballé. Donc, cet envoi de Martine, hein, avec son petit mot dans une très jolie petite enveloppe. Donc, un petit mot, hein, pour me souhaiter un bon anniversaire. Et un petit paquet avec ses jolis papiers. Donc, un papier plein de grosses fleurs, mais très très beau. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement. Ouais, tu me dises, Martine, ce que c'est. Est-ce que c'est du serviettage que tu as fait sur du papier, on dirait. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Faudrait que tu me dises ce que c'est exactement. C'est peut-être bien du serviettage. Non? Je ne sais pas. Explique-moi. Donc, des fraises. Et puis un semis de magnolia. C'est très très joli. J'ai l'impression que c'est collé. D'ailleurs, on le voit ici où ça s'est décollé. Est-ce que c'est du serviettage? C'est bizarre. Et tu as collé puis verni. Explique-moi. Je suis très curieuse de savoir ce que c'est. Donc, elle m'avait fait cette très belle pochette avec un semis de fleurs printanières. Très très belle pochette. Fermée avec un scratch. Regardez comme elle est jolie. Alors j'ai tout défait, hein, mais comme je n'avais pas remis, donc dedans, j'avais des petits moulages, des petites bestioles. Un petit lapin, un petit ours, un petit chat. Il y avait également un petit cintre, un petit porte-manteau. C'est très très bonne idée. Des petites poupettes. Toujours du serviettage, je pense. Sur du papier, papier toilette, peut-être. Enfin, celui-ci, tout au moins. Et celui-ci aussi. Aussi, c'est du papier toilette. C'est du recyclage de papier toilette. Très bonne idée. Et là, des découpes de très jolies fleurs, toutes fines, un joli coquelicot. Vous les voyez pas bien là. Donc, je prenne un papier blanc ou l'enveloppe peut-être. Sur cette enveloppe. Regardez. Sont très belles ces découpes. On les voit mieux quand même. Très très jolies découpes. Et là, j'ai deux très beaux cœurs. Superbe. Hein. Franchement, ce sont très très beaux. Les découpes sont magnifiques. Et là, j'ai deux petites enveloppes à monter. Donc la même que celle-ci là. Ouais, c'est la même. Les mêmes formats, sympa. Voilà. Et là, des images, de très belles images anciennes. Elles sont très très jolies. Et celle-ci pour du steampunk, ça peut aller. Un petit ange. Oh, très belle. Voilà. Bon, allez, la bêtise est réparée. Désolée, hein, Martine, pour cette ouverture ratée de ton envoi. Mais j'avais oublié d'effacer ma précédente vidéo. Ah oui, j'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone, donc fallait que j'efface. Et puis comme je suis étourdie, bah, je l'avais pas fait. Bah, c'est pas grave, hein. On recommence. Donc la suite. Là, j'ai une enveloppe que j'ai déjà ouverte de Sabella. Waouh. Oh là là. Oh, quelle belle carte.
Une superbe carte sur un fond marin. C'est magnifique. Très très beau, de très belles découpes. Là, il y a de la ficelle, des petites étoiles qui brillent de mille feux, des découpes de poissons que tu as colorisées. C'est magnifique, le fond est superbe. Sur papier, on dirait papier photo, dirait-on. C'est monté en 3D. C'est super joli, franchement. Bravo, elle est magnifique. Alors, avec du retard, il n'y a pas de retard, t'inquiète pas. Mais de tout mon cœur, je te souhaite un joyeux anniversaire. Il n'y a aucun retard parce que tu vois, je suis en train d'ouvrir plus d'une semaine après mon anniversaire. C'est pas grave, hein. C'est l'intention qui compte, comme on dit, hein. C'est l'attention aussi qui compte. Ben, écoute, merci beaucoup pour cette très belle carte et ton gentil petit mot. Superbe. Alors franchement, je la trouve magnifique. Et tu m'as envoyé des découpes avec. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Ah là là, c'est tout fin, c'est superbe. Et puis alors, ta pochette décorée, superbe. Superbe, tu as beaucoup de très belles idées. Alors, oh, c'est tellement fin, j'ai peur de tout abîmer. Ah, superbe. Un bigorneau. L'étoile de mer. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces découpes. Où est-ce que tu les as eues? Elles sont magnifiques. C'est la même que sur la carte. Ah oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Elles sont sublimes. Dis-moi où tu les as eues. Ça m'intéresse. Moi qui aime les fonds marins. Enfin, qui aime la mer en général. Bah écoute, merci de tout cœur, Sabella, c'est adorable. Elle veut pas venir. Allez. Voilà, je vais tout remettre dans sa petite pochette. Bah, merci de tout cœur. Superbe. Merci beaucoup, Sabella. Là, j'ai non. Hop, hop, hop. J'ai une enveloppe qui me vient de Brigitte, ma jumelle. Alors, cette enveloppe, je l'ai reçue avant de partir. Je ne l'avais pas ouverte. Je l'ai ouverte là, pas là, il y a 2 secondes. Oh, superbe. Elle est très très belle. En des tons de violet. Tout ce que j'aime, des papillons. Un superbe papillon. Il est très beau. Des bouquets de fleurs. Un petit oiseau. Des pensées. C'est magnifique. Coucou ma jumelle. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Merci ma jumelle. À toi aussi. À toi aussi ma belle. Ben écoute, merci beaucoup. Alors, tu me dis que tu me joins des embellissements dans cette très très belle boîte. Elle est très belle, très bien faite. Non, t'es douée quand même. Hein. Je ne voudrais pas dire, hein, mais elles sont douées les filles. Là là, oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Un petit peu de colle qui a filé. Un semis de fleurs, elles sont très très jolies ces petites fleurs. J'aime beaucoup. Colorisation maison, vraiment très beau. Ah, superbe. Là, tu m'as fait un bijou d'album ou ce qu'on veut. Superbe, avec des rubans, des dentelles, des rubans avec des perles. T'es vraiment doué, hein. Franchement. Moi, je suis admirative de ce que tu fais. C'est super joli ce que tu fais. Tu as tous les dons en plus, hein. Tu scrapes, tu crochettes. Des images crochetées.
super joli. Et puis alors, je ne sais pas comment tu as fait, si tu as fait avec une régularité. C'est vraiment très beau. Elles sont vraiment très très belles, hein, tes images. Magnifique. Une libellule. Oh, elle est trop jolie. Je te dis, t'es pleine de bonnes idées. Oh, elle est trop belle, cette libellule. Et des petits papillons. Des petits papillons dont tu as fait une vidéo. Alors, pour celles qui ne connaissent pas Brigitte, hein, sa chaîne dans l'atelier de Brigitte, elle a eu l'idée de détourner un dail de fleurs pour faire des petits papillons. Donc, c'est des fleurs à 5, 5 pétales. Elle recourbe une des pétales de façon à avoir les ailes du papillon. C'est une très bonne idée. Franchement, c'est très ingénieux. Un très beau papillon fait maison qui ont beaucoup d'allure, qui sont très élégants. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont superbes. La boîte est magnifique aussi. Oh, merci beaucoup, ma belle. T'es adorable. Tu m'as gâtée. C'est très gentil. Allez, on referme la boîte à bonheur. Un très joli ruban aussi, hein, comme ça. Voilà pour l'envoi de Brigitte. Mille merci, ma jumelle. T'es trop mignonne. Et là, on va attaquer les paquets. Alors, le dernier, je vais faire une vidéo exprès pour parce qu'il est très très gros. Donc, j'ai pas ouvert, hein. J'ai juste avec mon cutter parce que je voulais pas faire ça en direct, me sachant pas très douée. Donc, j'ai juste découpé les scotch pour pouvoir ouvrir la boîte. Donc, une boîte décorée, hein, avec des tamponnages, un beau gâteau d'anniversaire, très très beau, des cadeaux, des banderoles, superbe. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Ah, c'est bien emballé en tout cas. J'ai même pas dit de qui ça venait. Puis comme une gourde, j'ai envoyé... qu'est-ce que j'ai fait du papier? Oh, je suis désolée. Là, je vais peut-être trouver la carte dedans. Oui, heureusement qu'il y a une carte. Je suis gourde. Je ne sais même plus qui me l'a envoyé, c'est terrible. Une très belle carte, enfin une très belle enveloppe déjà. De la dentelle, du serviettage. Je ne pense pas mettre du serviettage sur mes enveloppes. Un petit... Oh là là, oh ce qu'elle est belle. Une belle carte. Et c'est la surprise. Toi qui me l'as envoyé, tu dois rire, hein. Et c'est Valérie. Ah, je suis désolée, hein, ma valise. Alors. Coucou Martine, un petit envoi pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Tu disais dans une vidéo aimer la plage et la mer, cela m'a inspiré, j'espère que ça te plaira. Quant au petit bracelet, il est réalisé avec un rouleau de PQ, d'après un tuto d'Angie. Bon, elle a des bonnes idées, Angie. Et dans le plumier, des petites breloques qui te serviront peut-être. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ces créations pour toi. Bon, c'est gentil. Je te souhaite un très joyeux anniversaire. Bisous aussi. Ah, la petite si belle. Merci. Merci, c'est trop gentil. Bah, ta carte est très très belle. Super. Oh, écoute, tu m'as pourri gâtée là. Alors, de quoi prendre quelques grammes. Qui c'est qui t'a dit que j'étais gourmande?
Je l'ai pas dit dans une vidéo, ça je crois pas. Oh là là. Tout ce que j'aime en plus. Oh là 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 là. Oh là là, la balance, elle va faire la tronche. On s'en moque. Alors, tout est bien emballé, c'est super joli. Une belle pochette. Oh, c'est tout doux. Un petit cœur. Oh, c'est beau. Alors, voyons voir. Que de surprise. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Et joli ce petit parchemin, super mignon, adorable. Encore un petit mot. Le micro macramé, une autre de mes passions, quartz fumé. Elle aide à s'organiser, à tenir des engagements, adaptés à nos possibilités. Guide lors des grands changements de vie en offrant la stabilité nécessaire pour prendre ses repères et reconstruire ses habitudes. Ah ! Désolée pour le bruit. Oh là là, superbe. Superbe. Je vais vous montrer ça sur du blanc. Regardez. Elle est magnifique. Puis alors, ton macramé. Sublime. Oh, j'adore. Ben écoute, si ça peut m'apporter la stabilité, ça serait merveilleux. C'est magnifique. Elle est très belle, cette pierre. Enfin, ce quartz. Qu'est-ce que c'est beau. Bravo. Bravo, bravo. Alors, j'adore ton petit parchemin, c'est superbe. Alors, après, oh, ce qu'elle est belle cette boîte! Mais t'as fait des merveilles! Hein. Qu'est-ce que c'est joli! Mais c'est fou les idées que vous avez! Mais je suis scotché hein, quand je vois vos réalisations, là, franchement. Et alors, t'as tout bien emballé. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, oh, j'adore. Eh, ma grosse paluche. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est magnifique. Oh, sublime. C'est magnifique. Oh, je suis toute émue. Oh là 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 là. Quelle beauté. Oh, franchement, c'est. J'ai pas de mots. Je suis sans voix. Merci beaucoup. Allez, on la remet dans cette petite boîte. Je suis en train de mettre le bazar sur le côté, là. Que d'émotions, ma belle. Que d'émotions tu me procures. Encore une petite boîte. Oh, mais... Comment ça s'ouvre? J'ai peur. J'ai peur de faire des bêtises. Ah, des trombones. Comment as-tu deviné que j'en avais besoin? J'en ai pas et je peine à en trouver, je sais pas pourquoi. Oh là là, super. Veux-tu venir là, toi? Voilà. Des petites licornes. Plein de trombones. Un stylo. Très beau stylo. Tout doux. Elles sont belles tes boîtes, mais t'es douée, hein, franchement. Oh, c'est génial. Franchement, c'est génial. Puis alors, plein de petites épingles gouttes. Des petites. Des petits brades.
C'est sympa ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce que... Oh, je vais faire plein d'idées à réaliser. Oh merci. Merci énormément. Pff, mais tu m'as pourri. Pourriété. Puis tes boîtes, elles sont vraiment adorables. Super belles. Alors, ça fonctionne du tonnerre, hein. Qu'est-ce que c'est beau?